Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Salut à nos fans de MTGQ. Ici, on a une belle boîte de War of the Spark. Flambette. On va essayer de l'ouvrir. Ah, je peux pas l'ouvrir, on va arrêter la vidéo. Ah, on peut l'ouvrir maintenant. Là, maintenant là, qu'on dit ça de même, là, là, il y a des Planeswalkers dans cette boîte-là qui n'ont pas été découverts par nous encore. Liliana puis Nicole. Ou Liliana, Nicole, ça peut être comme un nom, ça. Mais bref, les deux dans la même boîte, oui, ça serait merveilleux. Sinon, on va crier scandale. Sinon, mais y a quoi d'autre à trouver là-dedans, là, de spécial? Monsieur Cochon. Le gars de rouge, mm-hmm. Ouais. Puis là, vu que c'est pas notre première boîte, ouais. Pas notre première, on va y aller avec la... Un Zobi Token, une île, puis Nursel Reversal. C'est bon, ça? Correct. Puis le Planeswalker, on va le montrer. Ça élit. Puis ensuite, les autres. Ah ben, lui, c'est cool pareil, là, mais ça va être tout. Puis la magie va classer les cartes à côté de moi. Puis quand on va avoir fini d'ouvrir, on va tout voir les rares et toutes les Planeswalkers. Fait comme ça, la vidéo dure moins longtemps. Ouh! C'est bon, ça? Non. Je me suis fait avoir avec... Fait qu'il n'y a pas deux Planeswalkers dans celle-là. Commune. Couleur, ordre alphabétique. prête à, en ordre de numéro, prête à mettre dans les sleeves. Non? Pas à ce point-là? Ouais. Ouais. Dans les véhicules, là, c'était celui de Kaladesh, le 4x4 Flying Vigilance, qui était très bon. On voit très bien les cartes. Il y a une très belle lumière là, en cette fin d'après-midi. Ah oui, on voit très bien les cartes. Wow! On dirait un spell de... Voyons. World of Warcraft. Mauve sur fond noir. Bon, mais jusqu'à date, il y a juste des Planeswalkers communs, uncommuns, puis il y a des rares... bien ordinaires. Blast Zone. C'est bon, ça, hein? Mm-hmm. Ouais. Et ça aussi, il est pas mauvais, lui. Surtout qu'il y a deux couleurs. Hein. Ça et ça. Bon. Nicole Bolas foil dans le même booster que Nicole Bolas. On a bien eu dans Ultimate Master Squee puis Nicole Squee Foil dans le même booster. C'est possible. Mais les chances sont pas tellement. Une foil commune. Ouh, Chandra. Bon. On révolutionnera pas grand chose. Fait que là, dans les commentaires du vidéo, laissez-nous donc savoir c'est quoi vos top picks. Là, t'sais, celui-là qui achète deux boosters en magasin, juste de même pour dire, bon, peut-être avoir de quoi. Finalement, les deux boosters ont 10 fois la value en carte, etc. Puis il fait comme, oh, cool! Ah, cool! Un god, mais il est blanc. Et Double Strike, j'aime ça. Ah, une deuxième fois.
Vive les uncommon Planeswalker, on peut avoir un playset pour un deck. Si on veut en avoir 4, évidemment. Beaucoup plus facile. Hein? Qu'est-ce que vous pensez des Planeswalker là, uncommon qui ont une habileté statique style enchantement? Ou si on est vieux dans Magic, global enchantement? Et l'habilité de se détruire lui-même jusqu'à concurrence de 3, 4, 5, 6. Ça dépend de sa puissance. Ouh, le gars dans bleu. Bon. Le gars dans blanc, le gars dans bleu, Chandra. Mais là, ça veut dire qu'on n'aura pas de final d'avoir. En théorie, on n'a pas ce pouvoir de final, t'as pas mis, on a des gods. Des gods, pas de final. Deux gods, c'est bon ça. Dovin. Hein, c'est ça, dites-nous ce que vous pensez de ça dans les commentaires du vidéo. C'est genre juste aimer, pas aimer. Moi, j'ai tendance à aimer parce que le Planeswalker. Le Disenchant, aux dernières nouvelles, il sort à 1-1 blanc, instant speed, mais il target pas le Planeswalker. Le Planeswalker qui a une statique habileté qui est enchantement light. C'est ça, 1-1 blanc. Puis, en tout cas, moi, j'ai tendance à aimer ça pas mal. Out of Kaya. Ouais. Encore une fois, Darwin. Ouais, trop vite. Et, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de threats au Planeswalker dans War of the Spark, c'est normal. Mais, c'est pas. Quand t'es rendu avec 2-3 Planeswalker sur le jeu qui te font énormément d'interactions, d'habiletés, tes créatures, tes cartes, piges, etc., protection, nanana. Ça commence à être dur à contrer, là. C'est un ange. Ouais, 3-4 flying, juste ça pour 3. Ça, c'est déjà correct. Mm-hmm. Voyons, ici. OK. Bon, on a des gods, pas pire. Mais il pourrait avoir plus gros. Hein, ou on va avoir les 5 gods. Dread Horde Invasion. On va dans un deck de zombies, ça, je pense. Hein? You have X-Proof. C'est pas le fun, ça, y est. C'est cool. C'est-tu elle, ça? Ouais. Ah, on a plusieurs Liliana. Celle-là. Celle-là, c'est Liliana? Ouais, donc. Vite de même, chanceux de même. Et ça a passé proche. Tamio. Bon, mais c'était peut-être celle-là, finalement. Mais non. Massacre Girl. 4-4 menace. Ouais, OK. Ouais, après avoir joué ce compte. En pré-release. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. J'aimais beaucoup celle-là de Amonkhet. C'est-tu Amonkhet, la pyramide, là, coupée en deux morceaux? Ouais. Pour pas perdre la game. Tant que tu contrôles un Planeswalker Gideon. Parce qu'il y en a en fait d'autres qui sont bons. Ben, c'est sûr qu'on est dans le moderne ou plus fort, mais quand même. T'as des espèces de threats. Tu comptes tous les threats quand tu peux pas perdre la game d'une quelconque façon. Ça peut justement améliorer ou changer complètement certains decks dans le blanc, moderne ou plus vieux comme Legacy. On n'ira peut-être pas jusqu'à Vintage, mais. Et, again, s'il y avait sorti un Gideon poche, entre guillemets,
Bon, ça n'a pas changé. Mais vu qu'il est très bon, puis que t'en as un autre plus vieux qui est encore aussi très bon, ben, t'as comme un... C'est quoi ça, ça fait ça? Le commence, dire ça en franglais, hein? Commence de Endgame. Ouais. On va accélérer, on est à 10 minutes, on n'est pas à la moitié du fait. Single combat. Living Twister. Bon, une rare. Deux foils jusqu'à date aussi. Ouais. Pas beaucoup de foils et des communes par-dessus ça. Spoiler. Role reversal. Bon, ok, ok. Foil. Deuxième, mais c'est bon. C'est le genre de carte que lui, c'est la deuxième, mais c'est pas plate. Beau dessin, ça veut dire que si on a celui-là, faudrait bien avoir un Nicole Bolas, ça ferait une boîte conséquente. Je pogne un autre gars, Nicole Bolas ou Liliana, là, d'après moi. Là. C'est une très grosse boîte. Mais là, on ouvre une boîte, à, on est à combien de semaines? On est à 3 semaines du pré-release? Hein? Ouais. Fait que déjà là, on peut... On peut, on les RAL. Les prix peuvent avoir commencé à bouger. Mais, pas nécessairement. En tout cas, selon nos prédictions, il y a certaines cartes dans d'autres sets beaucoup plus vieux qui n'ont pas encore assez bougé à mon goût comme prix. Ah, ça aurait pu être la laine. Karns, ouais, Karns Bastion nice. Foil. Ben, c'est bon. Ouais, mais j'aurais voulu l'autre, là. Ouais, elle va se démarquer vraiment. Sauron, oh cool! Mon deck de vampire monarque. Un jour, vas-tu sûr que deck de vampire monarque, ça va me prendre des Planeswalker Sauron? C'est bon. God noir. Yeah. Oh. Trois gars plus Gideon jusqu'à là. À Jenny, pop, 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 pop. C'est lui que je vais piger dans mon challenge de Planeswalker. J'ai lu que j'avais pigé, mais c'était pas correct d'avoir ouvert les boosters hors caméra. Fait qu'on va recommencer. Fait que je vais peut-être avoir de la grosse bouette. Mais parce que Adjani dans un deck budget, c'est facile à faire. Ou comme les tests que j'ai fait avec Théo. Foil. Teferi. Oh, nice. Oh, excusez, là, je regarde pas dans l'objectif de la caméra. Bon, pas de Nicole, puis pas de
Liliana. Mais à peu près tout le reste. Hein? Un final avec des gods. Hey, ça a pris combien de boîtes, là? Une coupe. Et voilà. Hey, on un était... final avec des gods. Et voilà. C'est... Le mythe est brisé. Le mythe est brisé. On va mettre ça ici, là. Buster. Ah, oh, on va le faire au montage. Je pense à l'écran, ça va valoir la peine. Oh, un final des gods. Boom. La roue est maintenant brisée. Ouais. Si j'ai des gods, j'ai pas de final. Si j'ai des finals, j'aurai pas de gods. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vivienne's Arc Bow. C'est bon, ça? L'île de Rennes est à 5 minutes. Ouais, on a déjà, le record, c'est Dominaria 7 mythiques. En tout cas, de ce qu'on a vu, nous. Ouais, de nos boîtes sont nos ventes. Dead Old Butcher. East. Bon, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lucky 7. Deuxième fois. Saïli. C'est celle-là? Mm-hmm. Okay. Un local? Ouais. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là. On commence à voir la répétition. Hein. Ben, contrairement à beaucoup d'autres que j'ai vus, dans les boîtes qu'on a ouvert, on en voit des répétitions. Et dans Dominaria, il me semble qu'on n'avait pas tant que ça. Dans la guilde qui a l'allégeance non plus. Il me semble que là. Putain, il y a combien de cartes dans le set? Pas mal. 264. 264 moins la promo, 265. Okay, et... 200. Ouais, mais les cartes avec des dessins spéciaux, ils ont des numéros à côté, là. Bon, c'est quoi ça? Ça aussi, du blond. Oh! Il y a beaucoup de dessins de Liliana. C'est qui, lui, déjà? Le jeu d'Eon. Ah, on l'a pogné, celle-là. Oui. Mais Liliana, non. Fait que... Oui, je vais me plaindre, là. Les dessins sur les paquets sont pas corrects. Une foil. Enter the God Eternal. Samute. Price. Évolution. Oh. Mais coudon. Les gens sont mal dernier, hein? Ah oui. Une foil uncommon. Ooh, et un Ignite the Beacon. Tibalt. Hey là, Liliana. Triumph. Bon, jusqu'à la toute fin. Non. Et non. Il n'y a pas foil, là. Non.
Neheb. Planeswalker, c'est Jaya. Ben, coudonc. Pas de Nicole Bolas, pas de Liliana. Pas qu'on les voulait à tout prix, mais ça ressemble à être les deux plus rares. Alors, une boîte Neb, Ignite the Beacon, Widespread Brutality. Ouais. De Lost. Lui a de l'air perdu, justement. Red Horde Butcher. Plain Wide Celebration. Vivian's Arcbow. Ouais. Si tu contrôles un Nicole Bolas, Plain Walker, c'est ça. Rule Reversal. Living Twister. Single Combat. Commence the Endgame. Massacre Girl. Dread Horde Invasion. Deux fois. Feather the Redeemed. Out of Kaya. Blast Zone deux fois. Command the Dread Horde. Paelion 2. 2. Nurse's Reversal. Karn's Bastion. God Eternal Bantu. Ça, c'est le noir. Fait quoi? 5-6 menaces pour 5. Juste ça, c'est pas pire. Puis quand il rentre en jeu, tu sacrifies autant de permanents que tu veux pour piger autant de cartes. Puis les gods, ben, quand ils sont dans le graveyard d'O Remove, ben, tu les remets 3e à partir du top de ta librairie. Ou dans ta librairie, si t'as plus d'autres cartes, donc t'es pas décable. Avec un god. Ou qu'ils vont écrire un errata que si t'as pas d'autres cartes, ben ça fail l'habileté, puis t'as comme perdu, mais bon, pas sûr que ça soit ça. Le god en bleu, flying, 4-5 pour 4, puis tu peux révéler. The first card you draw each turn as you draw it, whenever you reveal an instant sorcery card, copy that card, you may cast the copy. The copy costs 2 less to cast. Ouais. Le blanc, 3-6 double strike. À chaque fois qu'on casse un creature spell, on crée un 4-4 Black Zombie Warrior créature avec vigilance. On va caster des petits 1-1 à côté de ça. Et Final of Revelation. Des gods, un final. Des gods, un final. Donc, c'est plus vrai que les boîtes contiennent juste un ou l'autre. Draw X card. If X 10 or more. Instead, tu brasses ton graveyard dans ta librairie, tu pourrais X carte on tap 5 land. Puis t'as pas de maximum end size jusqu'à la fin de la game. Ça s'appelle Pigeon en cœur. Et maintenant, les Planeswalkers non rares. Jaya, Tibalt, Obnixilis. Samut. Deux fois Samut. Oui. Nairi. Kashmina. Kaya. Kiora. Arklin. Ça, c'est le même, ça? Ouais, ok. Lui, ici. Le. Voyons. Pas capable de le lire, coudonc. Ok. Dry. Ok. Tailed Rogue. Ingrat. Whaley. Braska. Jiang. C'est pas celui qui était dans les decks des deux. Les duels. L'espèce de dual deck. Mais oui, c'est lui qui était. C'est lui. Ouais, c'est ça. C'est le. Pas les, pas, c'était pas du dual deck, mais c'était comme un. Promotion foreign pour des dessinateurs. Quoi, chinois ou japonais? Coréen, en tout cas. Asiatique, on va dire. Kashmina,
Théo, Dovin, Dovin deux fois, Ashiok deux fois, The Wanderer deux fois, Narset, Narset deux fois, Saïli, Teferi, Adjani, Sorin, Ral deux fois, Tamio, Yugin, Chandra et Gideon. Fait que c'était une bonne boîte, ça, After Review. Parfait. On va mettre ça dans... On l'aurait-tu flippé, celle-là? On sait que si on veut flipper des boîtes, faut attendre quelques semaines que les prix de certaines cartes s'emballent. On va flipper dans la première ou deuxième semaine d'une sortie. Mais on a vu qu'on n'a pas été capable. On a flippé des boîtes, mais flippé au buy price versus le sell price d'un magasin. Oublie ça, là, à moins d'avoir la boîte ultimate. Là, pas capable. Bon, ben, suivez-nous. Et puis, restez en tune, stay tuned. Il y a des vidéos de finances qui s'en viennent. Avec un petit vidéo de War of the Spark et un gros vidéo de Ultimate Master. Ouh. À la prochaine!